Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Effectivement, on peut faire du design social, on peut faire designement du social, on peut faire socialement du design. On peut même venir communiquer dans un colloque de design social en n'y connaissant strictement rien au design social. C'est effectivement mon cas, moi je suis effectivement, comme l'a dit Ludovic, aménageur, historien, économiste à la base. J'ai mêlé un peu toutes ces réflexions dans cette discipline assez merveilleuse que j'ai rencontrée finalement assez récemment et qui est l'aménagement du territoire et qui consiste en fait simplement à penser l'espace dans une perspective de réduction des inégalités spatiales avec des convictions, avec des ontologies qui sont propres. Pourquoi j'ai mis effectivement design social entre guillemets simplement parce que pour cette présentation, pour le texte que j'ai écrit, pour la réponse à l'appel à contribution que j'ai écrit, je suis parti d'un a priori, je dirais assez bateau, pour ne pas dire pâteau, c'est que les terrains que j'analyse, les terrains que je regarde, qui sont ce que j'appelle les habitats intermédiaires, j'y reviendrai rapidement, font probablement de ce que l'on peut penser du design social. Et quand on dit design social, on a effectivement quelques éléments à l'esprit. Et je me suis dit, tiens, probablement que mon îlot Bonsetour à Arras et que ma corporation des appartements Saint-Jean à Pont-Rouge au Québec faisaient probablement de ce qu'on appelle du design social. Et donc, je me suis interrogé et j'ai interrogé avec cette perspective aménagiste qui est effectivement la mienne. Bon, pour autant, j'avais quand même un terreau favorable en matière de design, c'est-à-dire que non seulement le sujet m'intéresse, et puis j'avais une idée un peu plus étendue du design que la chaise de machin fluo mur de magasins IKEA. Je savais bien effectivement que le design, et notamment dans son aspect territorial, avait son intérêt, avait sa légitimité, et par ailleurs à vous étudiants, parce que j'enseigne ici, donc je ne peux pas m'empêcher de dispenser quelques petits conseils, est une perspective aussi importante pour notamment le vivre ensemble dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Donc dans cette dimension territoriale, comment le design social peut-il agir et quels terreaux peuvent exister sur les territoires, justement. Quand on aménagiste, on pense au territoire. En matière de design territorial, j'ai quelques expériences. Je voulais en fait simplement aussi vous remercier et profiter de cette petite tribune pour dire combien je suis attaché à l'échange et à la communication entre les disciplines, entre les mondes, entre les cultures. J'ai pas l'habitude de parler devant un amphithéâtre sans avoir vraiment de temps imparti, entre 30 et 45 minutes. D'habitude, c'est toujours plutôt 20 minutes, et quand on commence à entamer la 21e, on se fait un peu taper sur les doigts. D'habitude, on n'a pas forcément le temps non plus de discuter, d'échanger de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on fait à peu près 8 ateliers en parallèle, on réquisitionne l'université, la bibliothèque, la maison de retraite du coin, et puis on fait des ateliers, ce qui empêche un peu aux gens de se parler. Là, aujourd'hui, on se parle, et justement, je découvre cette dimension du design qui m'était encore plutôt inconnue, même si je la présentais, et en discutant là ce matin même avec Mourad, je n'en ai que des confirmations, que effectivement, ça a une importance capitale pour les territoires, et vous me rappelez, en fait, simplement, depuis hier et aujourd'hui, j'en suis sûr aussi, que le design et que le designer sur le territoire, c'est pas celui qui comprenait, veut designer les relations entre les citoyens sur le territoire. J'ai vu quelques cas comme ça, dans des dialogues compétitifs. Je suis aussi, par ailleurs, consultant, chacun à sa façon, quoi qu'on excuse. Mais vous me rappelez, en fait, effectivement, qu'aujourd'hui, le dialogue est possible et indéniablement constructif, j'en suis certain. Trêve d'introduction, voilà pour la présentation. Sortez les violons, les mouchoirs et le bulletin de vote de celui qui crie le plus fort. Un petit rappel au contexte. Multiplicité de crises, c'est pas moi qui le dis, je suis pas assez intelligent, c'est Ignacy Sachs, qui est un grand économiste porté sur la soutenabilité. J'évite un peu de parler de développement durable, je trouve ça un peu suranné. L'aspect de soutenabilité et l'aspect de vivabilité me semble relativement plus adéquat. En tout cas, ce qui est certain,
c'est qu'on a des gens plutôt irresponsables, ou en tout cas probablement un peu aveuglés, qui ont créé une forme de crise financière qui a donné lieu à une crise économique, qui a donné lieu à une crise sociale, qui a donné lieu à une crise sociétale. Et voilà, aujourd'hui on doit effectivement faire avec ça, on ne l'a pas forcément choisi, je ne juge pas, ça n'empêche pas d'avoir ses convictions, moi je regarde ce qui se passe, et donc je vois qu'effectivement, au-delà que mon PC va redémarrer dans 10 minutes... C'est une crise informatique. C'est ça. Voilà. Je vois qu'effectivement nous sommes dans un contexte, aujourd'hui, dirons-nous, qui est tendu, qui est complexe, et qui a beaucoup de conséquences. Je parlais de crise sociétale, c'est à mon sens probablement... la plus actuelle et finalement la plus symptomatique de ces crises, c'est la crise du vivre ensemble. J'écoutais ce matin même à France Inter, en venant à Valenciennes dans la voiture, Mona Lezouf, l'historienne qui vient de sortir un bouquin sur Ferry, qui parlait en fait justement de cette crise de la culture républicaine qui se traduisait en fait par deux symptômes qui sont à la fois le symptôme de la crise de la suspicion, on se méfie de son voisin. Le collectif Kochenko hier nous disait que les gens avaient un peu peur de traverser la place dans le 10e quand il y avait un peu trop de jeunes, un peu trop bruyants. Et puis en même temps, on a une forme de républicanisme un peu énervé, un peu intégriste, où on se veut le défenseur de la veuve et de l'opprimé, mais on ferait pas mal de regarder dans l'histoire de son parti. Je ne développe pas plus que ça, en tout cas, une certaine forme de crise. Du républicanisme, indéniablement. Face à ça, et parce que je reste un optimiste forcené, sinon je ne serais pas là, on voit l'émergence de pratiques nouvelles, alternatives, qui redéveloppent non seulement ce lien à la solidarité, qui se rappelle de l'importance du vivre ensemble. Je parle aux philosophes aussi en tant qu'historien, on a toujours a priori vécu ensemble, c'est ce qui fait société, et donc on se souvient de cette valeur, de cette richesse. Pas forcément la majorité des personnes aujourd'hui, gageons que ça le devienne. En tout cas, des pratiques émergent. On voit une montée en puissance de moi ce que j'appelle le tiers secteur, c'est-à-dire des gens, des citoyens, des personnes qui ont ce que j'appelle une expertise d'usage et qui se situent un peu à l'orée du politique, avec ou sans P majuscule. Et à l'orée du citoyen, plus préoccupé de son rythme boulot, métro, dodo, si on veut rentrer dans les caricatures. Et donc un tiers secteur semble émerger, et vraiment sur mes terrains, mais aussi dans ma pratique, j'ai observé l'émergence de ce tiers secteur, notamment associatif, notamment coopératif, et qui tient vraiment, à mon sens, moi qui suis aussi économiste beaucoup, dans le champ de l'économie sociale et solidaire en général. En tant que chercheur, en tant que personne aussi engagée sur les terrains, moi ma méthodologie est qualitative et notamment celle de l'observation participante, avec une ontologie constructiviste qui fait que j'ai bien conscience que je modifie le terrain que j'observe, mais pour autant je ne peux pas m'empêcher par conviction profonde et parce que j'ai bien lu les auteurs, d'essayer de modestement emporter ma pierre à l'édifice. Donc en tant que chercheur, j'interroge un peu justement l'évolution de la société, et quand j'ai vu cet appel à contribution, design social, je me suis dit, dis donc, effectivement, il y a probablement à réfléchir sur ces questions-là, et ma venue en deux jours à Valenciennes me le confirme. Et puis, j'ai regardé en fait l'habitat, parce que quand on pense territoire, la question de l'habitat est finalement assez centrale, parce qu'un territoire, c'est une zone géographique, certes, mais c'est pas que ça. Un territoire, c'est aussi des gens qui habitent, des gens qui tissent des relations, des gens qui travaillent, des gens qui sont mobiles. C'est avant tout ça, un territoire. Et un territoire, pour qu'il vive, il faut qu'on y habite. Il faut qu'on fasse autre chose qu'y habiter. On habite pas mal les campagnes en travaillant dans la ville d'à côté qui est à 30 km. Pas certain que ce soit ça qui crée beaucoup de liens et beaucoup d'activités, mise d'attractivité d'ailleurs. Pour autant, l'habitat, dans une forme un peu particulière que je vais vous présenter ce matin rapidement, me semble un catalyseur des possibles, on dira ça comme ça. Très rapidement, je vais commencer par vous présenter en fait les terrains d'études, qui sont en soi probablement, mais là je parle sous votre contrôle, des objets effectivement designés, parce que patrimonialisés, ou parce que construits ex nihilo, mais avec une certaine dimension esthétique,
avec une dimension patrimoniale au sens sociologique, j'y reviendrai rapidement. C'était aussi l'occasion pour moi de réfléchir à parce que je reste universitaire, et donc on aime bien quand même un peu cadrer les choses, le concept dans lequel ces habitats pouvaient émerger. J'ai eu pas mal d'interrogations et je me suis dit que cette communication aujourd'hui était probablement l'occasion pour y réfléchir aussi un peu. Bien évidemment, on parle de design social. Donc moi, j'ai un peu, d'une certaine manière, un peu dans ta foulée philosophique, pris les choses à l'envers en me demandant si le design, en fait, de ces habitats particuliers, ce que moi j'appelle leur spatialité en tant qu'aménageur, sans sens où on parle un langage qui peut utiliser des mots différents, mais on arrive finalement à des conclusions assez similaires. Comment ces habitats, comment leur spatialité ont éventuellement un impact, influent éventuellement la vie de ces résidents qui, vous allez voir, sont tout particuliers. Et puis, bien évidemment, parce que je suis aménagiste, ma conclusion sera un peu celle de replacer toutes ces réflexions dans une dynamique de stratégie de développement territorial. Les terrains d'études, donc très rapidement, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce fameux îlot Bonsecours à Arras, avec sa star à l'intérieur, que j'ai nommé Éléonore Lamou, dont je vous présente une photo tout à l'heure. C'est en fait un projet qui est totalement pilote, installé dans un ancien hôpital de centre-ville, qui ne correspondait plus en fait aux besoins actuels du développement des politiques de santé. Un hôpital en centre-ville, c'est toujours un peu compliqué. Et donc nous avions là une grande friche, au sens de vestes-chambres, vacances des lieux, au sens du bâchiment. Donc il y avait probablement quelque chose à faire, et donc cet hôpital a été réinvesti, son historicité s'en est trouvé continuée, en sens que l'hôpital était en fait anciennement tenu par une congrégation de religieuses qui avaient fait de leur action sanitaire, médicale, une vraie action sociale, en sens que s'adresser notamment à des personnes qui avaient besoin d'un accompagnement. Et aujourd'hui, on retrouve effectivement dans cet habitat que moi je considère intermédiaire des personnes qui nécessitent aussi un accompagnement. Je ne développe pas beaucoup plus, j'aurai l'occasion d'y revenir. Sachez simplement que chaque appartement dans ce complexe d'habitation a sa propre tablette numérique, je ne cite pas de marque, suivez mon regard, avec un cloud qui permet en fait à tout le monde et d'avoir connaissance des animations qui se déroule dans l'habitat et de communiquer entre eux par messagerie privée. C'est un peu une forme de réseau social spécifiquement dédié au complexe Bonsecours qui commence doucement à s'ouvrir sur le territoire. Et en ce sens, j'ai été assez d'accord avec M. Barthélémy hier qui disait que quand on comprend numériquement bien les choses et que les réseaux sociaux numériques sont utilisés à bon escient, ça peut effectivement créer de belles choses. C'est une résidence qui est intergénérationnelle, interculturelle, intersituationnel, tout simplement parce que vous avez des personnes âgées qui sont pratiquement plus actives que vous et moi, des personnes âgées qui pour autant nécessitent un accompagnement parce que l'âge arrive, parce que la maladie est là, des personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant ou en handicap intellectuel, vous avez des personnes en appartement de standing à 2000 euros par mois, et puis vous avez des personnes en logement social. Et on essaye de faire vivre tout ce petit monde autour de lieux collectifs, designés pour justement favoriser la rencontre. Et puis, je n'ai pas précisé que je menais mes recherches en partenariat avec l'Université de Laval au Québec. Et donc, le Québec ayant, comme sur pas mal d'autres choses, pas mal d'années d'avance, sur ces aspects-là, et notamment sur la question de la considération du handicap dans la ville, et notamment sur la considération de l'habitat comme outil d'accompagnement, d'autodétermination, nous parlent les Québécois, j'y reviendrai. J'ai donc observé, et je continue d'observer, la corporation des appartements Saint-Jean à Pont-Rouge, qui est sur un modèle finalement assez similaire de celui de l'îlot Bonsecours, à la différence près que là, il réside uniquement des adultes déficients intellectuels, plus ou moins déficients intellectuels, et où vieillissant. Les projets d'animation sont relativement similaires, le design est relativement similaire, sans sens que ça me semblait intéressant de mobiliser ces éléments. Vous avez donc à gauche, j'ai ramené aussi mes photos de vacances, chacun son tour, c'est un peu moins exotique. Je prendrai une photo des grands pour le prochain colloque. Donc à gauche, vous avez la corporation des appartements Saint-Jean, et à droite, l'îlot Bonsecours.
Ce qui est assez étonnant, je vais y revenir, mais j'en touche un mot tout de suite, c'est que ces deux complexes deviennent, à mon sens, d'après ce que j'ai pu déjà en observer, d'ores et déjà patrimoine. C'est plus facile de penser au patrimoine quand on voit l'île au bon secours, qui est à la fois un patrimoine matériel, d'un complexe architectural avec son histoire architecturale, qui reprend plusieurs écoles d'architecture, qui a une valeur esthétique indéniable, qui est de toute façon clairement reconnue, d'un patrimoine aussi, je dirais, social, plus populaire, à Arras, et dans les gens que je rencontre, avec qui je discute, avec qui je travaille, peu de gens n'ont pas connu quelqu'un qui était malade dans cet environnement-là. Puis, quelque chose d'un peu plus joyeux quand même, c'était une maternité, juste avant que ça ferme. Et donc, beaucoup de gens ont en fait un lien avec une naissance de quelqu'un de connu dans la famille ou de manière plus éloignée. Donc là, la patrimonialisation au sens sociologique d'un bout se fait assez facilement. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'un complexe de quelques années, bon, c'est joli, c'est pas le problème, soit déjà effectivement un peu patrimonialisé par ses habitants. C'est-à-dire qu'il est vraiment considéré et reconnu comme un bien commun, comme quelque chose d'approprié et comme quelque chose qui se défend un peu, et dont on n'aimerait pas trop qu'on vienne l'embêter. Là, c'est une photo assez rapprochée. J'ai du coup probablement un petit côté designer, mais en fait, de faire des photos moches. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre hier matin. En tout cas, c'est très arboré. C'est très arboré autour de ce complexe. Et donc, effectivement, on y voit une certaine forme de patrimonialisation. Je vous ai dit, je suis historien, moi, à l'origine, et donc il me semblait important, sur ces complexes d'habitat particuliers, et parce que j'ai le réflexe toujours salutaire de regarder dans le rétroviseur pour mieux savoir par où on peut aller, je me suis dit, disons, le design social, même si j'ai pas lu grand-chose sur le design social de manière volontaire, j'ai lu l'esthétisation du monde dernièrement, là, c'était très intéressant, mais je me suis dit, disons, on n'a pas inventé ça avec pour rouge ou du bon secours. C'est quelque chose qui est ancien. C'est quelque chose qui a été théorisé, moi, à mon sens, au Moyen-Âge. On peut regarder au niveau des hospices, etc. Mais en tout cas, vivre dans son environnement, vecteur d'identité, tout en côtoyant les autres, à mon sens, c'est pas une idée neuve. C'est simplement les raisons qui nous ont amenés à ça, qui sont probablement différentes, j'y reviens. J'ai vu dans Guérand, qui fait une histoire du logement social absolument passionnante, trois éléments en fait, déclencheurs au niveau historique. À mon sens, la mentalité, même si elle a peu donné de création architecturale, en tout cas de création d'objets designés là pour le coup, c'est vraiment dans la philosophie de Napoléon III qui veut, dit-il, éradiquer la pauvreté. Bon voilà, c'est un de ses credos quand il est au pouvoir, face au logement ouvrier, face à la révolution industrielle, face à l'urbanisation galopante et aux conditions de vie, il faut le dire, absolument déplorables, à peu près dignes du Moyen-Âge, même si j'aime beaucoup le Moyen-Âge et que j'aime pas quand on reprend ces idées noires en les mettant en perspective avec le Moyen-Âge. Là non, c'est vraiment une manière de vivre comme au Moyen-Âge et comme les textes et comme le bloc nous le raconte. Ça a un peu évolué. Donc Napoléon III se dit éradication de la pauvreté par l'habiter. Et à mon sens, la mentalité, la manière de le penser systémiquement, vient probablement de là. Et puis on a ce doux rêveur, ô combien fondamental dans ce siècle, qui est Fourier, et qui invente ce palais sociétaire. C'est l'illustration d'en bas. Et ce palais sociétaire est en fait composé de phalanges, c'est assez militariste finalement, avec un lieu commun, central, vous verrez là la dimension évidemment symbolique, constitué donc de phalanges sur les ailes de ce bâtiment central, où vivent donc effectivement des personnes. Et Fourier dit effectivement quelque chose de très intelligent. On parlait du partage des machines à laver hier, c'est pas très différent.
Fourier dit bah, effectivement, plutôt que 300 laveries et que 300 poêles pour 300 familles, on peut probablement réduire en collectivisant d'une certaine manière, mais ça aussi j'y reviendrai, à 10 poêles et 10 laveries pour 300 familles. Parce que tout le monde, a priori, c'est pas forcément sa lessive en même temps. J'y reviens, on n'a rien inventé, on ne fait que réinventer. Rien ne se perd, rien ne se fait, tout se transforme. J'aime bien aussi la physique quantique. Le familistère de Gaudin à Guise, c'est probablement la traduction architecturale du rêve de Fourier. Gaudin est un grand admirateur de Fourier. Et se dit effectivement, dans cette perspective de capitalisme familial, d'approche démocrate chrétienne, j'y reviens, faisons effectivement ce que Fourier a pensé, et c'est le familistère que Ken nous a présenté rapidement hier matin en introduction. Et là je me suis dit, tiens, c'est bien, je ne suis pas tout à fait en dehors du contexte de réflexion, probablement que je vais pouvoir un peu m'inclure dans le colloque. Et donc c'est effectivement le familistère de Gaudin à Guise, mais vous le connaissez probablement mieux que moi, je ne développe pas. Quelle évolution, quelle actualité pour ces problématiques historiques? Je vous l'ai dit, je travaille dans une dimension comparative entre France et Québec. C'est une émergence différente en fait en France. Je ne reviens pas sur cette dimension historique du vivre ensemble avec les autres. Je reviens quand même sur l'émergence de ce que moi j'appelle la vitesse intermédiaire au Québec. Ben, c'est la mentalité anglo-saxonne. C'est-à-dire que là, c'est avant tout des coalitions de personnes voulant devenir propriétaires, mais qui individuellement n'avaient pas forcément les moyens de payer la construction de la maison, de payer l'achat du terrain, et qui se sont en fait regroupés en coopératives, en communautés. On n'a pas du tout la même vision de la communauté au Québec qu'en France, pour être plus forts ensemble et pouvoir accéder à la propriété. Et ça donne des choses un peu étonnantes, mais assez formidables, où l'ensemble des habitants d'un complexe, moi j'appelle ça un complexe, on a parlé de complexité hier, d'un complexe d'habitat, sont propriétaires des murs, mais locataires de leur appartement. Étonnant. Je vois des sourcils qui se froncent. C'est pour autant le système là-bas. Et en fait, tout doucement, de manière assez expérimentale, les gouvernements, les institutions ont compris que ça permettait l'accès à la propriété, donc American Way of Life un peu, et se sont vus en fait progressivement soutenus. Et ensuite seulement, cette dimension de vie collective, de partage des espaces, d'animation et de création de liens, c'est fait. C'est pas en fait l'origine des projets au Québec, c'est ce qui rend la chose, vous l'avez compris, tout à fait intéressante. Je disais tout à l'heure que on reprend une vieille recette qui a moyennement fonctionné à l'époque, mais qui a eu au moins la bonne idée d'exister. Napoléon III voulait lutter contre la paupérisation. Je vous ai fait ce rapide rappel au contexte, économique, sociétal, socioculturel, dirais-je. À mon sens, aujourd'hui, on réinvente cette manière d'habiter, chez soi mais avec les autres, en utilisant des lieux de secondarité, comme les appelle Fecteau, pas pour la même raison. La paupérisation existe, elle est galopante, c'est évident. Le vrai enjeu, et l'enjeu probablement le plus obsessionnel pour le tiers secteur, également pour les institutions, c'est ce délitement du lien social. Si on a de la paupérisation, c'est aussi probablement parce que les gens ne se parlent plus et que les biais de solidarité, je dirais habituels, traditionnels, j'utilise le mot tradition dans le titre de ma thèse, sont mis à mal. Donc c'est probablement plus la même origine, et aujourd'hui c'est potentiellement par la création du lien et contre le délitement de ce lien qu'il faut probablement agir. Je mets ça en perspective avec le handicap dans une seconde. L'habitat social innovant, vous l'avez compris, je ne l'appelle pas encore habitat intermédiaire, j'y viens tout de suite après. Ben c'est un lieu d'expérimentation. On regrettait peut-être un peu hier de ne pas laisser suffisamment de temps au temps. Dans ces exercices un peu prototypiques, le temps est un peu plus laissé au temps et on laisse un peu maturer, on essaye, ça marche. Pas toujours. Ça n'a pas toujours été évident d'inclure
je reviens sur, ce terme, une tablette numérique dans des habitats de personnes qui pouvaient être âgées de 80 ans, bon, qui pour autant parfois expliquaient aux jeunes comment ça s'utilisait. Mais en tout cas, c'est une démarche de long terme. Vous l'avez compris, on n'est pas dans le court terme pour faire du business. Là, le bailleur social ne va pas gagner beaucoup d'argent avec le bon secours, c'est évident, c'est pas l'idée. C'est un lieu d'innovation sociale également, parce qu'on invente de nouvelles manières de faire. On réinvente les processus d'interdépendance comme les a théorisés Norbert Elias, que j'aime beaucoup. En tout cas, on essaye, on laisse le temps. Et puis, on fait évoluer les pratiques institutionnelles aussi. Au Québec, on a fait évoluer les pratiques institutionnelles en démontrant, en marchant, que ces corporations, que ces coopératives d'habitants permettaient effectivement d'accéder à la propriété. Et puis que le fonctionnement était finalement pas si mal, avait des défauts, mais permettait quand même de se rencontrer, de vivre ensemble, de parler, de partager des choses. Le bon secours, c'est pareil. C'est pareil. Les institutions, vous l'imaginez bien, ne sont pas en dehors de la dynamique qui est engagée à Arras. Et bien, les institutions, progressivement, sont amenées à faire évoluer leur process. Sont amenées à financer des choses dont elles n'auraient probablement même pas porté considération il y a 10 ans. Et donc, tout doucement, les choses avancent. Et moi, je suis toujours rassuré quand la sociologie précède le juridique. Ça me semble à peu près vecteur de démocratie. L'intermédiarité des habitats. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, j'aurais bien aimé que notre ami philosophe soit là pour en débattre également, mais je ne doute pas de votre capacité philosophique. Habiter autrement, vous l'avez compris, vivre chez soi avec les autres, c'est une perspective, ce n'est pas la manière dont on vit. On ne vit pas beaucoup avec les autres dans les banlieues pavillonnaires en France, a priori. Au contraire, on essaye plutôt de mettre un grillage un peu plus haut pour pouvoir faire son barbecue tranquillement. Donc habiter autrement, quel concept ? Des habitats alternatifs ? À voir que c'est pas si alternatif que ça, et puis c'est quand même plutôt ancien, pour l'alternatif. Ça voudrait dire que c'est alternatif depuis longtemps, et du fait, ça interroge un peu. Habitat participatif, oui, mais pas que. Pas que, parce qu'on fait pas seulement de la participation dans ces habitats. On s'ouvre aussi sur l'extérieur, et puis pour autant, on vit quand même chez soi. J'y reviendrai, j'y tiens. Donc, un jour, je suis tombé en fait sur un rapport. Je suis très bien ses auteurs pour ne pas avoir de difficultés futures. Mais qui s'appelait, suivez mon regard, l'habitat intermédiaire. Et je me suis dit, tiens, chouette, on va trouver une définition de ce qu'est l'habitat intermédiaire selon les grands penseurs du logement. Bon, je suis resté sur ma faim, donc j'ai regardé un peu de mon côté. J'ai commencé par ouvrir le dictionnaire, tout bêtement. Et Larousse, tant pis, je cite la marque, on parle beaucoup de l'Académie française en ce moment en même temps. Et quand on ouvre Larousse et qu'on cherche intermédiaire, on voit entre deux. Bah effectivement, l'intermédiaire, c'est ce qui est entre deux. J'y reviens tout de suite après. Et puis, on l'oublie souvent, c'est aussi ce qui représente probablement une forme de transition. Et on peut imaginer que ces habitats, dans leur acception intermédiaire, représentent probablement une forme de transition. J'y reviens également. Je m'étonne de la structuration de mon propos. Les facteurs d'intermédiarité, au-delà de cette dimension historique, à mon sens, ils sont sociaux. C'est ce qu'Arlo Becker appelle la personnalité communautaire. Je dois avoir un côté centriste qui fait que la personnalité communautaire est en fait définie comme une personnalité qui prend au collectiviste l'idée de vivre ensemble, l'idée d'effort accompli collectivement, et puis qui prend aux libéraux cette idée de liberté, c'est quand même la racine étymologique du mot libéral, d'ailleurs, une tromperie au pied de la lettre, mais cette idée de liberté et puis d'individualité. L'individualisme est un humanisme, j'y tiens. Donc cette personnalité communautaire, du fait de considérer que vivre chez soi avec les autres, assumer sa propre personnalité, sa propre identité, tout en se développant vers les autres, c'est un premier facteur d'intermédiarité. Si vous êtes bien dans vos baskets, a priori, vous vous ouvrez peut-être un peu plus facilement aux autres. C'est du moins la manière dont je considère les choses. Ça amène à débat, j'espère que des personnes ne seront pas d'accord. Mais en tout cas, avoir conscience de sa propre identité, de sa propre richesse, c'est aussi potentiellement un terreau favorable pour s'ouvrir à celle des autres. J'arrête là. Spatio.
un logement privé dans un espace collectif. Je vous ai parlé de cette dimension juridique un peu particulière au Québec où les gens sont propriétaires de leur immeuble mais locataires de leur appartement. À l'île aux Bons Tours et dans d'autres terrains que j'analyse également de manière un peu exploratoire et complémentaire, le logement privé existe. L'idée n'est absolument pas de remettre la propriété en question. Pour autant, ces lieux collectifs qui sont animés, où la dimension socio-culturelle, qui est, à mon humble avis, un des facteurs justement de lien entre les gens, c'est assez évident, mais on a peut-être tendance à l'oublier, ces liens socio-culturels sont développés dans des espaces qui appartiennent à tous, ben ça donne une forme d'intermédiarité spatiale où on ne sait plus trop bien à qui appartiennent les espaces, et puis finalement on s'en moque un peu. On s'en moque un peu. J'ai eu l'occasion d'aller parler devant des juristes en disant finalement, imaginez un peu, la propriété, c'est pas forcément la question. Moi je parle d'appropriation. La propriété, c'est sûr, c'est fort bien. Les murs appartiennent au bailleur social. C'est pas ça qui fait la vie des gens qui vivent dans le complexe. C'est pas la question. Ce qui fait que les gens évoluent en fait dans ce complexe designé socialement, j'y viens après. C'est tout simplement effectivement que les espaces soient appropriés, que dans son logement on ait pu choisir un peu la destination de ces espaces ne soient pas stigmatisants, j'y reviens, et puis que plus localement, plus généralement, ces espaces permettent de vivre ensemble, permettent d'aller faire un atelier poterie, permettent d'aller faire un atelier fleuristerie, permettent d'aller faire un atelier mémoire, ou d'accueillir des conférences, des concerts et autres. On se fiche de savoir à qui les murs appartiennent. Ils nous appartiennent, et là je parle au nom des personnes que j'observe, c'est pas bien, mais aujourd'hui je peux me le permettre. L'appropriation du lieu, de l'espace et de son animation, à mon avis, ne faisant pas une thèse en droit, n'est pas la question principale. Tout ça, ça m'a été inspiré, j'ai pas eu la lumière divine un matin ou un soir, tout ça, ça m'a été inspiré par cette idée de troisième forme sociale à laquelle je tiens beaucoup, c'est Proudhon. C'est Proudhon, c'est Morin, avec cette idée de dialogique, que l'un est son contraire, et que le tout est plus important que le tout. Bon, bref, on en passe. Mais en tout cas, Proudhon développe justement cette idée de troisième forme sociale qui soit ni la propriété absolue, la propriété c'est le vol, ni la collectivisation absolue des crises de totalitarisme, il s'agit de regarder l'histoire. Proudhon n'a pas été jusqu'au bout de sa réflexion, il devait être très constructiviste en la matière, mais en tout cas il nous donne des pistes de réflexion. Et je crois, sincèrement, que c'est vers cette troisième forme sociale qu'il faut commencer à réfléchir. Bêtement, très bêtement, un peu lourdement, je me suis dit, ce qui est designé, a priori, ça doit être beau. Ça doit avoir une dimension esthétique. Là, je parle sous votre contrôle, et on en reparle tout de suite après, fort probablement. Mais je me suis dit, tiens, je vais interroger un peu le beau auprès des gens avec qui j'évolue et sur les terrains... Que je regarde. Et donc effectivement, je suis tombé sur Shakespeare, qui nous dit que le beau est un service de plus qu'on rend utile, et moi j'y dis, et inversement, que l'utile est aussi un service rendu au beau. Shakespeare dit, l'utile magnifie le beau. Moi je suis assez convaincu aussi que le beau crée un contexte en fait favorable à ce que j'appelle un confort social. Je m'en explique immédiatement. Ces complexes ont une dimension esthétique, en tout cas patrimonialisée, je vous l'ai dit. Et on voit que cette dimension patrimoniale, elle est en fait très importante pour les personnes qui résident dans ces complexes. Parce que c'est des personnes, sans taper dans le pathos, mais qui ont parfois des histoires de vie un peu compliquées, dont le quotidien est parfois aussi un combat. Quand vous êtes déficient intellectuel, vous habitez tout seul chez vous et que vous avez votre travail et que vous payez vos impôts et que vous êtes autodéterminé au sens des Québécois, ça reste quand même une aventure et c'est tout à l'honneur des personnes qui le vivent et des personnes qui les accompagnent. Mais en tout cas, le fait de vivre dans un complexe qui est effectivement esthétique, qui est designé de manière à vivre ensemble,
ça donne un appui, ça donne un confort, ça donne probablement quelques fondations. Et en interrogeant comme ça les gens, discussion en bâton rompu, les mots de beau, de classe, de chic reviennent assez régulièrement. Et c'est vrai que quand on voit, somme toute, cette photo, par exemple, toujours aussi mal prise, on se dit que ça a une certaine valeur esthétique, architecturale, et que passer d'un grand ensemble des années 70 à un complexe d'habitation de ce type crée en tout cas un terreau favorable au bien-être. Et on oublie peut-être un peu trop facilement le bien-être, qui est pour autant une chose très importante. Pourquoi j'ai eu cette intuition que mes habitats étaient probablement un peu designés socialement, ou socialement designés, parce que tout simplement parce que ce design se veut social et collectif. Je voulais vivre avec les autres en étant chez soi. La dimension collective, elle est très forte et a, à mon sens, comme but principal, comme conséquence aussi principale, de recréer du lien entre les gens. En vivant avec les autres, en se rencontrant, vous avez en bas à gauche, une photo de ce que les résidents de l'île au Bon Secours appellent le kiosque. Le kiosque, c'est une sorte de café associatif où les gens se rencontrent, qui est juste à l'entrée du complexe de l'île au Bon Secours, et où il y a le journal, où il y a le café, et où il y a parfois des animations. Et progressivement, des gens viennent y vivre, discutent, échangent des informations. L'un va faire les courses pour l'autre, on se donne rendez-vous à cet endroit-là, et parfois on se donne rendez-vous chez les personnes, ce qui veut dire qu'effectivement, les espaces personnels, individuels, identitaires sont aussi investis par un collectif. C'est pour ça que j'ai mis volontairement la construction de son identité par le logement individuel dans cette dimension collective, c'est pas une erreur. Et puis, en tissant des liens d'interdépendance. Ce que l'un sait faire, et que l'autre ne sait pas forcément faire, ben plutôt que de faire appel à de l'aide à domicile, ou plutôt que de faire, ben là, on cède. Quand on est âgé et que la mobilité pose un peu plus de problèmes, ben peut-être bien que le cadre, en rentrant de son boulot, peut passer au supermarché pour sa voisine qui a 93 ans. Si un locataire trisomique sait faire fonctionner un four, là où son voisin, c'est pas forcément faire fonctionner un four, mais où son voisin, c'est peut-être parler de la machine à laver. Des expériences de vie. Moi, je ne peux pas faire fonctionner une machine à laver. Plutôt que de faire appel à... C'est pas que je peux pas me laisser, rassurez-vous. Plutôt que de faire appel, effectivement, à un aide à domicile qui va faire la cuisine ou qui va faire la lingerie, bah, chacun cède. Et on crée des liens d'interdépendance comme ça. Et plutôt, effectivement, encore une fois, que de faire appel à une société de service, mais c'est toute l'économie informelle. Alors, vous direz, effectivement, ça ne rentre pas dans le privé. La richesse est aussi ailleurs. Plutôt que de faire appel à une entreprise spécialisée, ben c'est effectivement les papys et les mamies qui font la crèche. Les gens qui rentrent tard le soir et qui ont peut-être été faire les courses de ceux qui gagnent leurs enfants. Enfin voilà, on crée des liens d'interdépendance. Et ça, c'est rendu possible par la manière dont ces espaces, dont ces habitats sont designés, sont organisés spatialement. Et puis pas que. Le design social, il est aussi personnel, individuel, identitaire. J'ai encore une fois, comme du mot communauté, une acception très positive de cette question identitaire. C'est un peu ce que j'appelle, dans mes théories naissantes, les dynamiques de spatialisation interne, ou plus globalement, l'ensemble de ce qui se passe à l'intérieur des logements, des dynamiques justement d'appropriation, des dynamiques d'enjeux, qui sont propres au logement, et notamment au logement de ce que moi j'appelle citoyen fragilisé. Je suis en réflexion sur cette question-là, je prends les préconisations et les précautions. En tout cas, des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nécessitent un accompagnement. Je suis le premier à nécessiter un accompagnement, je ne sais pas faire marcher une machine avec. On est tous le handicapé de quelqu'un ou de quelque chose, ça j'aime beaucoup à le rappeler. Participer à l'aménagement de son espace. Ces complexes d'habitat ont aussi cette particularité justement de laisser en fait une latitude assez importante aux locataires, quelle que soit leur différence, devrais-je dire quelle que soit leur richesse, pour aménager spatialement leur propre logement. Des choses sont adaptées. Vous voyez que le plat, comment le
le plateau de travail est relativement bas. Le four s'ouvre d'une manière particulière avec un tiroir coulissant. Ben, ce sont des choses toutes bêtes. Je travaille beaucoup avec Daniel Bussé-Desrochers et Martin Caouette à l'université de Trois-Rivières au Québec, qui sont titulaires de la chaire des technologies de soutien à l'autodétermination. C'est quoi cette bête-là? C'est simplement de dire on utilise des objets usuels, des choses du quotidien, pour accompagner à une autonomie renforcée, ce que les Québécois appellent l'autodétermination. Ben là, on est très exactement dans cette perspective-là. Puis aujourd'hui, Sophie, elle est en colloque avec Céline à gauche, et puis Léonore, elle fait sa petite vie amoureuse avec Robin, et tout va bien. Et tout va bien. Et puis on lutte contre les espaces stigmatisants. Là, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est Marcel Nuss, qui est un penseur que j'aime beaucoup, quelqu'un, je crois, de tétraplégique, et qui dit « Moi, j'ai pas envie que ma maison soit pleine de rampes pour balader mon corps meurtri. J'ai pas envie que quand quelqu'un vienne me rendre visite, il voit les rampes ou il voit le lit dans le salon avec l'accroche qui permet de me glisser dans le lit. Mais moi, j'ai envie de dire comme un citoyen, comme tout le monde, et à juste titre. Et donc, on lutte effectivement contre ces espaces stigmatisants où vous rentrez chez quelqu'un et vous considérez finalement son handicap comme son contexte de vie, plutôt que de considérer son handicap comme une chose parmi d'autres, de la personnalité de la personne chez qui vous allez. Voilà pourquoi, à mon sens, on peut lire du design social dans ces habitats. Et puis, quels sont les effets? J'arrive bientôt à la fin, j'ai aucune idée du temps dont j'ai parlé. Comment ces espaces, organisés ainsi, designés ainsi, ont un effet justement sur les gens qui y habitent, quels qu'ils soient, en situation de handicap, vieillissant, valide, riche, moins riche, dans un autre pays ou étant français de souche, avec des grosses guillemets. Mais tout simplement parce que cette spatialité qui est clairement complexe, au sens de Morin, permet une reconnaissance sociale, de garder un rôle social. Je pense notamment, pour le coup, parce que je travaille aussi un peu sur le vieillissement, à la violence que représente la mise en retraite. Vous perdez votre rôle social qui est celui du travail. Ça peut être violent. Et le fait, dans un ensemble collectif, de garder une forme de rôle social, vous fait aussi garder une forme d'identité. Vous fait vous rester vous-même. Et c'est quand même pas négligeable de garder un rôle social. Parce qu'on existe aussi au regard des autres. Nous sommes un animal social, je vous le rappelle. La lutte contre l'isolement et les solitudes, quand on est en situation de handicap, quand on est en avancée vers le grand âge, vers le très grand âge, les questions de solitude sont assez prégnantes, et d'ailleurs dans les politiques publiques en général, parce que moi en tant que ménageur, évidemment, je m'intéresse particulièrement aux politiques publiques, cette question de lutte contre l'isolement est centrale. Si vous tissez des liens d'interdépendance, si effectivement vous rendez agréable, sexy, dirais-je, les espaces collectifs par des animations, par des propositions, par des échanges, ben, indéniablement vous luttez contre ces formes de solitude. Et puis vous développez des savoirs. Vous développez des savoirs. J'ai eu quelques entretiens avec des personnes coupées de leur famille, pour diverses raisons, volontairement éloignées du contexte social, du contexte politique, et qui tout doucement, en créant du lien avec les autres, en réapprivoisant autrui, ont redéveloppé leur capacité relationnelle, ont redéveloppé leur savoir-faire. Parce que quand on est seul, limite, on regarde la télé, je voyais une vidéo il n'y a pas longtemps d'une mutuelle qui travaille sur le vieillissement et qui illustrait, un peu avec pathos, mais c'était assez révélateur, la vie probablement d'un nonagénaire qui passe sa journée en pyjama et puis qui à un moment se lève, se coiffe, met sa cravate, etc., simplement pour faire l'aller-retour à la pharmacie. Et puis il revient et se remet en pyjama. Indéniablement, quand on est un peu humaniste, ça fait quelque chose là. Et donc le fait de vivre ensemble, bah, ça redéveloppe les savoirs parce qu'en restant
tout seul devant sa télé ou en faisant du point de croix, je caricature, ben, indéniablement, on perd une forme de savoir, et notamment un savoir-faire relationnel, qui est assez salutaire. CF, le début de ma présentation. C'est ce que les Québécois appellent l'empowerment, c'est ce qu'ici on aurait plutôt tendance à appeler la montée en habileté, et c'est ce qui est repris globalement, j'aime bien, je m'interroge pour autant, dans le concept d'autodétermination. Là, c'est la chapelle de Weinmeyer. L'autodétermination, c'est un peu ce que nous, Français, Européens, dirons-nous, en Scandinavie aussi, appelons plutôt l'autonomie renforcée. C'est quelque chose, quand même, quand vous êtes porteur d'une trisomie 21, que de vivre tout seul chez vous. C'est expérimental, en fait. C'est pas loin d'être la règle au Québec. On n'est pas tout à fait dans le même monde à ce niveau-là. Et donc, l'autodétermination, c'est surtout, en fait, défini comme la capacité de réaliser des choses en âme et conscience, en ayant conscience des conséquences de ses actes, ou d'avoir la certitude de pouvoir le faire. Soit on le fait, soit on sait qu'on peut le faire. Donc effectivement, ces habitats m'interrogent en matière de ce que les Québécois appellent autodétermination. Et puis je viens enfin à ma forme de conclusion qui reprend un peu ces considérations d'aménagement du territoire. Je n'ai pas finalement parlé beaucoup d'aménagement du territoire, mais tout simplement parce que ça me semble être le terreau pour quelque chose d'un peu plus large au niveau territorial. Parce que quand on pense au niveau territorial, on pense au niveau méso, forcément. Comment ces espaces, où on a vu l'engagement social est fort dans l'écriture des spatialités, dans le design, comment ces espaces sont un attrait potentiel pour le territoire. Voilà ma pirouette. Les dynamiques de spatialisation qui sont complexes à l'œuvre, je n'y reviens pas, ça fait du lien, ça permet de vivre ensemble, c'est une manière de lutter contre le délitement du lien social qui est un peu, malheureusement, la marque de fabrique du système actuel, mais en tout cas la manière dont les choses vont actuellement. Et puis ce sont des lieux, encore une fois Marcel Nuss, qui permettent de faire corps. De faire corps avec son habitat, de faire corps avec les habitants, et aussi probablement au fur et à mesure de faire corps avec son territoire. Parce qu'il m'apparaît assez clairement, c'est une intuition que j'avais, mais que je commence vraiment à démontrer, que ces habitats représentent une forme de terreau, finalement très favorable à l'émergence d'une citoyenneté qui est peut-être un peu abîmée parce que ce n'est pas la priorité. Parce que quand vous devez déjà réfléchir à la manière de boucler vos fins de mois, ou quand vous devez réfléchir à la manière de ne pas être trop seul et d'y dépatouiller avec les difficultés qui sont les vôtres, bah, effectivement, le fait de participer à une association, le fait d'aller voter, le fait de s'inclure sur son territoire, ce n'est pas forcément une priorité. Mais en redéveloppant des habiletés, en redéveloppant une forme d'autodétermination par un contexte favorable, par un outil qui est l'habitat, qui est central dans la vie des territoires, ben probablement qu'il se passe quelque chose. Vivre avec les autres, je l'ai dit, à mon sens, c'est un effet social. Je vous l'ai démontré juste avant, enfin, je ne l'ai pas démontré, je vous l'ai présenté, et observable, notamment en matière de sociabilité. C'est pas jugeant, mais là je me remets aussi à la sociologie, je suis absolument pas sociologue, mais pour autant, travaillant avec des sociologues, on constate une augmentation de la sociabilité, forcément, vous parlez un peu plus avec les gens, vous êtes un peu plus inclus dans le milieu, et donc indirectement, et là pour le coup, moi ça me concerne totalement, d'une forme de citoyenneté. J'ai en tête une personne qui a eu beaucoup de mal et de réticence à intégrer un atelier. En l'occurrence, c'était un atelier de lecture intergénérationnelle. 3-5 séances, tout doucement, elle s'approche. Puis, à un moment, un jeune lui parle, et du fait, elle se sent concernée par ce qui se passe. Alors, cette personne aujourd'hui, qui a peut-être mis 5 ou 6 séances pour intégrer l'atelier, non seulement est la force vive de l'atelier, mais en plus fait aujourd'hui des permanences à la crèche de la municipalité. Donc effectivement,
de la personne qui a du mal à participer à un atelier dans son propre complexe d'habitat à la personne qui va tenir des permanences à 3,5 km de son habitat en tissant des liens, y compris avec les institutions, en tissant des liens avec, avec le territoire local, avec les parents, on voit effectivement une forme d'augmentation de sociabilité et donc progressivement de citoyenneté. Et c'est là où, à mon sens, la carte est à jouer, et c'est là où, à mon sens, le design social de ces habitats prend toute sa dimension. C'est que ces personnes à qui il est offert un terreau favorable, dirons-nous à l'expression, ben vont pouvoir, dans cette perspective de vivre ensemble, dans cette perspective de création de liens, faire partager le territoire de leurs expériences. Parce que quand on est en situation de handicap, on a une expérience du vécu, on a une expertise d'usage, on sait comment se passent les choses. Je suis aussi président de l'association sur la question du handicap. On mène un projet sur la création d'une réplique miniature d'un bâtiment pour permettre aux personnes non-voyantes ben de voir à leur manière. C'est pas moi qui vais aller expliquer comment il faut fabriquer cette réplique. C'est une personne non-voyante avec qui on travaille qui est la mieux placée pour juger et pour conseiller et pour accompagner. Cette personne a une expertise d'usage, a une connaissance, a une expérience. Et donc dans ce terreau favorable, qui est celui de l'habitat intermédiaire, donc le concept est encore en développement, et bien probablement dans une stratégie territoriale plus large, celle de la ville inclusive, de la ville accessible, et de la dimension universelle de l'accessibilité. Parce que je répète assez régulièrement qu'une ville qui est accessible pour une personne en fauteuil, pour une personne avec une canne, elle l'est aussi pour le livreur, elle l'est aussi pour le père avec une bicyclette, elle l'est aussi avec le jeune qui s'est cassé la jambe le dimanche précédent au foot, et elle l'est aussi pour moi qui roule beaucoup en trottinette. L'accessibilité a une dimension universelle, et cette expertise d'usage est vraiment un moyen de développer une forme de stratégie. Ma conclusion, c'est simplement vous dire qu'à mon sens, on prend une bonne idée de recette qui a fait ses preuves, qui était utopique, mais l'utopie a du bon, Godin l'a transformée, mais que les raisons originelles de ce réinvestissement de l'habitat intermédiaire, de leur importance sur les territoires, n'est pas pour les mêmes raisons. Mais c'est qu'aujourd'hui, la création de liens est probablement salutaire. La complexité spatiale, la manière dont ces espaces sont designés, semble avoir des effets sociaux, y compris de manière un peu plus macro sur la reconstruction d'une forme de citoyenneté, sur une méthode innovante, presque expérimentale, d'accompagnement à une forme de fragilité, que c'est un design engagé des espaces de vie. J'ai rencontré des designers très engagés qui vivaient dans le 8e. On a fait mieux. Plus sérieusement, vous avez en fait un vrai engagement spatial et une vraie conviction dans la manière dont les espaces sont pensés. Et si on doit parler de design social, probablement que ça en fait partie. Et puis enfin, l'habitat intermédiaire et son design social comme levier d'aménagement vivable du territoire. Je termine avec cette notion de vivable, hein, le fait d'être vivable. Évidemment, ce sont les questions d'équité écologique, ce sont les questions d'équité économique, mais c'est aussi probablement la question centrale du lien du vivre ensemble. Je voulais en fait simplement terminer en vous remerciant beaucoup de cette invitation, de cette sélection. Je n'ai pas forcément parlé exactement avec les mots du design, mais en tout cas, je pense qu'on en arrive aux mêmes conclusions et c'est important et nos visions sont complémentaires. Et je voulais en fait simplement, en guise de conclusion, citer un artiste qui a écrit quelques lignes que j'aime beaucoup, un grand artiste et néanmoins ami, Johan Nocelle, qui nous dit « Lorsque les savoir-faire se mélangent, tout semble possible. Je suis convaincu que la qualité d'un mouvement est fonction de notre capacité à offrir nos savoirs, à partager nos connaissances et à coopérer autour d'idées plus ou moins réalisables, plus ou moins réalistes, mais sans jamais sombrer dans le fatalisme et l'immobilisme. Les maîtrises individuelles se cumulent
autour d'un propos, d'un élan, et nourrissent un courant voué à la qualité, indéniablement le design est intrinsèquement qualitatif, à l'exigence, mais également à la collaboration et à la fraternité. Et je vous remercie beaucoup de faire de cette belle citation une réalité aujourd'hui.